voilà, de l'État de Maryland, de Baltimore. Et que le Seigneur vous bénisse, vous souhaite une excellente semaine. Et que cette semaine nous apporte la grâce et la bénédiction du Seigneur. Et que cette semaine, tout le monde vous visite dans vos fruits, dans vos entreprises, dans vos affaires. Et que cette semaine vous apporte la grâce et la bénédiction. Recevez la grâce et celui qui était malade reçoit la guérison et la restauration de la part de notre Seigneur. Recevez la puissance de Dieu. Voilà, je bénis le nom du Seigneur parce que nous sommes de retour à Baltimore. Nous sommes de retour à Baltimore après un grand séjour, un séjour dans l'état de Georgia. Parce que Atlanta est dans l'état de Georgie. Voilà, de l'état de Georgie. Atlanta, c'est une ville, mais dans l'état de Georgie. Voilà, donc nous sommes de retour. Voilà, je suis actuellement à Baltimore. Il est pratiquement 12 heures à ma montre, heure des États-Unis. Je pars comme ça à mon programme de prière. Parce que tous les lundis et mardis sont des rencontres individuelles, des rencontres de restauration, de prière, de délivrance. Voilà, donc je pars comme ça. Mais il fait beaucoup froid aujourd'hui. Le froid a tellement caillé fort que je suis sorti de la maison à 12 heures. Voilà, donc j'ai un petit retard. Mais on va rattraper ça par la grâce de Dieu. Je peux travailler jusqu'à 18h. Je ne suis pas habitué trop au froid. Voilà, donc on va rattraper ça. C'est pour ça que je suis sorti à 12h. Il y a un peu de soleil, je sors là. Il faut aller travailler. Voilà, donc que Dieu bénisse. Voilà, donc je disais comme ça, une excellente semaine à vous tous. Que la main de Dieu visite vos maisons, vos foyers. Que la main de Dieu vous restaure. Que la main de Dieu vous bénisse. J'ai été tellement béni à Atlanta. Je ne sais pas si les États-Unis, là, vous aimez limousine. Ils m'ont surpris encore limousine. Ici, j'étais une limousine noire et là-bas, une limousine blanche. Voilà, donc je bénis le nom du Seigneur. Nous avons eu un bon séjour, bien dormi et tout ça. Il y a eu des centres de délivrance. Et après ça, on a eu des programmes, après ça, des centres de délivrance. Et nous sommes bien entrés ici à Baltimore. Donc, je tenais à saluer et dit merci aux bien-aimés d'Atlanta. J'ai pas eu l'occasion de voir la tombe de Martin Luther King, le révérend, parce qu'il fait partie de l'histoire des États-Unis. C'était vraiment important pour moi, mais j'avais pas eu le temps en tout cas. J'avais pas eu le temps. Le temps, fallait aller à l'aéroport. J'avais pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà, donc c'est une parce que pasteur remise, je reviendrai à Atlanta pour communiquer un peu, voir un peu le musée du révérend Martin Luther King et de voir un peu sa tombe et tout ça, parce que c'est les gens qui ont marqué l'histoire des États-Unis et qui ont eu des grandes révélations qui se sont accomplies aujourd'hui, où les Noirs et les Blancs ont commencé à être ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu un Blanc, un Noir qui est devenu président des États-Unis. Donc, c'était vraiment important pour moi de connaître l'histoire. Voilà, donc que Dieu bénisse, que la semaine-là soit pour vous une semaine de bénédiction. Voilà, vous savez, la vie est une question de sémences. Tu as semé quoi pour récolter quoi? Il faudrait que je vous donne une révélation en tant que prophète du Seigneur. Vous savez, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes ici aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique est fait pour les Américains. D'abord, c'était les Indiens et que, n'est-ce pas, les Anglais sont venus chasser. Ils ont possédé le territoire dit Amérique. Et en possédant un territoire, il y a des actions qui sont menées sur le territoire. Donc, le territoire est fait pour les Américains. C'est pour cela que les privilèges, quand tu as un passeport américain, tu es bien traité. Et quand tu es un immigré, tu n'as pas le même privilège qu'un Américain. Voilà. Donc il faut savoir ça. Il faut savoir ce principe. Quand tu es un Ivoirien, tu es bien traité en Côte d'Ivoire. Quand tu es un étranger en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le même privilège qu'un étranger en Côte d'Ivoire. Donc il faudrait connaître ce principe. Voilà, donc quand vous venez, vous immigrez dans une nation, sur un continent. Je préfère utiliser l'expression continent parce que vous partez d'un continent à un autre continent et il y a des réalités. Quand vous quittez l'Afrique, vous venez avec l'esprit de l'Afrique. Et ça vous poursuit, ça vous suit partout. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous venez quelque part, vous avez un décalage horaire, ça joue sur votre corps, dans vos systèmes. Parce que vous vous déplacez avec ça. Vous êtes né à Gagnois, à Galé-Gribo, comme nous, comme ça. Voilà. Puis quand vous venez, il y a un système. Et puis maintenant, vous adaptez. C'est-à-dire l'adaptation au système. C'est comme ça, c'est aussi une réalité spirituelle. Maintenant, en venant, tu es quitté ici un continent. Quand tu es arrivé sur le continent américain, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me poser la question, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ok. Ça, c'est une très bonne question.
Ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait, c'est pour ça que tu as les problèmes. Ah oui, tu ne l'as pas fait, c'est pour ça que tu as les problèmes. Quand vous lisez dans Deutéronome, le chapitre 38, 32, autant pour moi, Deutéronome 32, il dit terre, écoute, oreille, les cieux, prête l'oreille. Ça veut dire le ciel a des oreilles. Mais terre, enregistre mes paroles. Ça veut dire que la terre, le ciel est fait pour écouter nos prières. Vous comprenez? Le ciel est fait pour écouter nos prières. Mais la terre est faite pour enregistrer nos paroles. Donc quand tu es venu sur le continent américain et le système est fait pour les Américains, ce n'est pas fait pour toi qui viens de l'Afrique. Écoute-moi très bien. Donc qu'est-ce que tu as dû dire au sol, au continent américain, pour que l'Américain te mette dans son fichier de reçute? C'est ce qui est la vérité. Te mets dans son fichier de reçute. Parce que toi, tu es un immigré. C'est ce que le sol américain te reconnaît. Il ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui vient de l'Afrique. Or, ce que tu devais faire, c'est de parler à la terre américaine. Il faut parler à la terre américaine. Pour que la grâce dont bénéficient les Américains, tu puisses en bénéficier aussi. Parce que la vie est faite de semences. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est une loi. Si tu n'as rien semé, tu ne récolteras rien. C'est une loi. J'étais à Divo. Je suis allé parler pendant 9 jours à la terre de Divo. Mon ministère prospère. C'est parce que j'ai fait quelque chose. Mon ministère prospère. J'ai parlé à la terre. Oh, la terre de Divo, il y a tellement de choses. Tu es en Europe, tu n'as même pas parlé à la terre. Toi, tu te plains. Tu as des difficultés. Écoutez, c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Deutéronome 32, le verset 1, quand vous lisez, il dit oreille. Et les cieux prêtent l'oreille et la terre enregistre mes paroles. Or, ce que nous disons, c'est enregistré. C'est là, ça est dans les fichiers. Il faut parler, commencer. Il faut prendre 9 jours. Je te donne un secret, il faut prendre 9 jours. À partir de 5 heures du matin, sors, parle à la terre ferme. Tu n'as pas encore fait. C'est vrai, je te comprends. C'est pas encore tard. Il faut enlever tes chaussures. C'est un mystère. Moi, je suis un prophète. Je suis pas là, je suis dans les mystères. Je suis dans les mystères. Il faut enlever tes chaussures vers 5 heures du matin. Parce que l'aurore, à partir du soleil, il faut que quand le soleil se lève, ces paroles-là, quand le soleil va frapper, la chose va s'enregistrer dans l'atmosphère. Oui, c'est pour ça que je vous parle. À partir de 5 heures du matin, vous possédez les lieux. C'est ça la Bible dit que quand vous rentrez dans un secteur, il faut posséder là. Ben, tu n'as pas fait d'action. Donc, il faut parler à la terre pendant 9 jours. Oh, le chiffre 9, vous savez bien, c'est le chiffre de la naissance. On parle pas de 7 cette fois-ci, on parle de chiffre 9. Vous comprenez? Donc, il faut prendre le chiffre. Faut commencer. Tu peux commencer demain. Il faut commencer à parler. Pour dire, je suis venu aux États-Unis, là. Je dois réussir. Écoutez, maintenant, je vous donne un mystère. L'argent que vous voyez, là, l'argent, le dollar, là. Quand vous voyez, il y a tous les atouts de la franc-maçonnerie. Il y a l'heure de la franc-maçonnerie. Mais nous, on prend ça, on est chrétien, non? On dépense ça. Ce n'est pas un pasteur qui va fabriquer l'argent. Là où on fabrique l'argent, un pasteur n'est pas là-bas. Il n'y a pas les imams là-bas. Il n'y a pas les chrétiens là-bas. Tout le système est fait de telle sorte que les riches deviennent en plus riches. C'est un système. Hein. Ça va dans nos mains, puis ça retourne chez eux. La plupart des banques, aujourd'hui, les chrétiens ont compris qu'il faut mettre les banques, une banque chrétienne en place. Il faut mettre les banques islamiques en place. Ça, c'est maintenant ils comprennent ça. Or, les banques que vous voyez là, c'est créé, c'est les francs-maçonneries. Ils ont compris que le pouvoir de la terre... Et c'est l'argent. Nous-mêmes, on a dormi, c'est ça. On est là, on parle en langue seulement. On parle en langue seulement. Eux, ils prennent l'argent. Voyez, quand tu n'as pas l'argent, tu es possédé. Celui qui n'a pas l'argent, il est possédé. Nous, on parle seulement. Or, l'argent, vous voyez là. Le système, l'argent. Moi, je suis venu, j'ai parlé au dollar. Hein. Le dollar ne va pas m'échapper. Tu ne vas pas m'échapper, le dollar. Tu ne vas pas m'échapper. Parce que la Bible, ouais, c'est l'amour d'argent que Dieu condamne. C'est-à-dire aimer l'argent plus que l'homme. Mais l'argent, c'est une nécessité. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas pouvoir tes besoins. Donc, vous prenez le dollar. Je reviens sur la terre, mais vous prenez le dollar parce que tout le système est fait par la franc-maçonnerie qui fait que ça va dans la main de nous, les gnani. Bon, nous-mêmes, on est riches à Jésus-Christ et je préfère ça. On est riches. Et puis, ça arrive dans leurs mains. C'est un système. Donc, vous parlez au dollar. Pour que l'argent, quand ça vient dans ta main, ça doit rester. Et puis, l'argent doit venir. Donc, il faut parler. Il faut faire cette action-là. Il faut commencer à parler au dollar. Quand tu finis, là, mets ça sur ton oreille. Fais le même truc pendant 9 jours. Chaque jour, avant de dormir, tu parles vers 1h du matin. Mais c'est une action. Celui qui croit, il ne croit pas, c'est son problème. Moi, je te montre les mystères. Quand c'est comme ça, là, le dollar va venir dans ta maison. Parce que le dollar, là, ça a été consacré aux... C'est les esprits. Écoutez,
On n'a jamais vu un pasteur aller fabriquer l'argent à la BCAO, le CFA, ni le héro. Le système monétaire s'est dirigé par la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il faut, il faut faire des actions très fortes. Pour gagner de l'argent, ça ne reste pas. C'est comme ça le système des esprits. Ça va et ça revient. Ça va et ça revient. Tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Or, la Bible dit dans Marc, quand vous lisez un peu Marc 4, le verset 13, je crois, on dit, et le semeur sème la parole. Et le semeur sème. Toi, tu as sémé quelle parole pour récolter quoi? Moi, je sème la parole ici aux États-Unis. Je dois être riche parce que je dois rentrer dans le système. La terre américaine doit te reconnaître. Mais la terre ne reconnaît pas. Je vous ai dit, là, tu ne peux pas avoir papier parce que tu n'as pas parlé à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre au nom de Jésus, des États-Unis, pour que les États-Unis te donnent ton argent. Parce qu'ils ne te reconnaissent pas. Tu es venu de l'Afrique avec toute la sorcellerie africaine sur toi. Ce sera que l'Europe ne te donne pas son argent. Parce qu'il y a les gnani-gnani africains sur toi. Donc il faut s'aimer à la terre. Oh, la terre a des oreilles. Oh, la terre enregistre les choses. Tu peux être en Côte d'Ivoire, il faut commencer à parler. Moi, j'ai possédé la ville de Divo. J'ai possédé la région de Divo. Je parle de Divo, j'ai reçu. Je dois réussir parce que j'ai fait une action. Les gens sont surpris que le prophète catholique, on m'a poignardé. Je suis l'homme de Dieu qui a été poignardé par les bandits, des féticheurs, envoyé des gens m'agresser. Couteau n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que j'ai pris 9 jours. J'ai dit. Quand on dit toute âme forgée, là, ça veut dire couteau, voiture, poison. Il a été empoisonné 3 fois. Vous savez, la Bible dit, voici les miracles qu'on accompagnera ceux qui auront cru. Toi, quel miracle t'accompagne? C'est des problèmes seulement. Oh, la Bible dit que les miracles doivent t'accompagner. J'ai pris 9 jours, j'ai dit ce verset de Ésaïe 54, verset 17. Ça doit s'accomplir. Celui qui me pique le couteau, ça ne doit pas rentrer. Ils m'ont essayé ça l'année passée. Je n'ai pas essayé. C'est sûrement ma lèvre qui a été blessée. Pas avec le couteau, avec le pied. Le couteau n'est pas rentré dans mon corps. J'ai échappé à un accident très grave sur l'autoroute de Côte d'Ivoire. Ma voiture est jetée dans l'air à 20. Mais j'ai réglé ça sur mon corps. J'ai prié. Chaque jour, je prenais une bouteille. Je versais sur ma tête. Je versais une bouteille sur ma tête pendant 9 jours. Donc, j'ai réglé ce problème-là. Tu es un bandit, tu mets âme sur moi, ça ne va pas rentrer. Parce que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Ce n'est pas du mysticisme. C'est ce qui est vrai. Les miracles doivent accompagner ceux qui croient toujours. Et, là, et le chrétien vit. Ce que ta foi te dit, c'est ce qui s'accomplit. Moi, il dit. Des choses qui ne doivent pas m'arriver. Donc, qu'est-ce que tu as semé pour récolter? Tu te plains que le dollar ne reste pas. Mais tu as dit quoi au dollar pour que le dollar reste? 9 jours suffit. À partir de demain, commence à parler à la terre de l'Amérique. Ouh là là, commence à parler à la terre de l'Amérique. Et que l'Amérique te restitue. Tu dis tout ton nom. Tu dis là où tu viens. Et puis dis maintenant, je suis dans le fichier américain. Tout ce qui est l'argent d'Amérique, là, ça doit rentrer dans ma poche. Et puis tu parles au dollar. Dollar, là, toi, dollar, tu dois rentrer dans ma poche. C'est ce qu'un homme sème qui récolte. Toi, tu as semé quoi? Oh, la parole est une semence. Vous êtes là, vous parlez seulement en langue. Vous parlez seulement en langue. Les mystiques sont en train d'évoluer. Vous parlez seulement en langue. Vous pensez que c'est une question de parler. Oh, la Bible dit, c'est pas tout en chance avec le nom de Jésus. On dit, tel sort de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Les démons, c'est le jeûne, c'est pas le nom de Jésus. Il faut comprendre le mystère. Tu es dans un territoire, tu es venu d'un village où les sorciers seulement. Toi, tu fais quoi pour posséder quoi? Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner beaucoup de secrets. Moi, dollar ne va pas me manquer. Non. Parce que la pauvreté, c'est la somme de Dieu dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, quand tu suis un territoire, il faut posséder les lieux. Si tu rentres sur un territoire, il faut que l'homme fort soit lié. Tu as lié quel homme fort de l'Afrique? Parce qu'il y a le système américain, il faut que le pauvre soit pauvre. Hein? Tu as lié quel homme fort américain? Il faut lier l'homme fort américain. Il faut posséder la terre de l'Amérique. Moi, j'ai parlé ici de la terre de l'Amérique. Avant de commencer toute activité, j'ai posé une action d'abord avant de démarrer l'activité. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, à Divo, je prospère. Je suis dans un endroit, petit endroit, mais je prospère. C'est comme ça, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut commencer. Rien n'est tard. Tu ne connaissais pas. Il faut commencer à parler à l'Europe. Tu es sorti. On t'a donné un visa. Mais la terre européenne, tu ne reconnais pas. Parce que toi, tu n'es pas né en Europe. Tes parents ne sont pas européens. Même si tu as une nationalité française, tu n'es pas européen, frère. C'est ce que tu as fait là. C'est pour ça que la Bible nous dit
quand les gens commencent à naître, on les consacre à leur destinée. Vous savez, certainement, les gens ont prophétisé sur toi, mais tu ne veux pas cela s'accomplir dans ta vie parce qu'il fallait que quelque chose soit fait. La Bible, vous voyez, Jésus, Dieu a dit, vous allez rester 300, 400 ans. Mais le peuple d'Israël a fait 430 ans. Est-ce que c'est parce que Dieu a menti? Non. Il fallait faire quelque chose pour entrer dans cette vision et dans cette bénédiction. Donc il y a beaucoup de choses que chacun d'entre nous doit savoir. Tu as l'argent et c'est des maladies bizarres des Européens qui te prennent. Tu as l'argent et c'est la maladie bizarre des Américains qui te prennent. Toi, tu as fait quoi? C'est pour ça qu'il faut, toute chose, il faut d'abord commencer par le commencement. C'est ce qu'on appelle la fondation. Si c'est renversé, tout est renversé. Si c'est renversé, tout est renversé. Tu as commencé comment? Ah oui, tout était bien, mais parce que la terre ne te reconnaît pas, tu as perdu le boulot, tu as perdu beaucoup de choses. Il faut commencer à parler. Je vous enseigne des mystères. Et ce mois de novembre, c'était un mois puissant. Hein? C'était un mois propice par les affaires. Un mois propice. Moi, je suis là pour ça. Je suis là, c'est mon ministère. Pour vous révéler les mystères, les choses cachées. Un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Il faut commencer à parler à la terre. La terre, ce sont nos parents, ils connaissaient le mystère. Ils peuvent vous faire même avec la terre. Parce que la parole bien dite, ça s'accomplit toujours. C'est ce que tu dis là, que tu récoltes. Or, le semeur sème la parole. Si tu veux être riche, il faut commencer à parler de la richesse de ta vie. Il faut s'aimer ça sur toi. Tu as fait quoi pour être riche? C'est ça la consécration. Voilà. Il faut commencer à parler. Les gens, ils sont là, ils parlent seulement en langue. Ils parlent seulement en langue. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Tu les vois, ils sont bizarres. Tu les regardes, ils sont bizarres. Et c'est les gens qui sont les super, les gens qui critiquent toujours les gens. Malheureusement. J'ai pris que aujourd'hui, c'est 21. C'est une journée très propice à l'action prophétique. Moi, je suis dans un mystère. Ça fait 3 fois 7. C'est très important pour les actions prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous remplisse de gloire. Qu'il se manifeste puissamment dans votre vie. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il faut connaître les mystères. Il faut connaître des choses. C'est quand tu connais les choses que les choses viendront vers toi. Si tu ne connais pas, c'est vrai, on y va au ciel. Mais les choses desquelles tu pars rentrer en possession. Parce que c'est une question de connaissance. Quand tu as cette connaissance, tu rentres en possession. Tu es venu aux États-Unis, tu as fait quoi? Quel est l'aspect spirituel que tu as posé sur le territoire américain? Il faut parler sur le sol américain pendant 9 jours. Pendant 9 jours. À partir de 5 heures du matin. Comme ça, le soleil, quand ça a commencé à s'élever, les airs vont enregistrer ce qui a été dit sur la parole. C'est les mystères. Il y a trop de mystères dans la parole de Dieu. Vous êtes là, vous voulez qu'on vous délivre. Oh, il y a des choses. Il faut faire des actions. C'est pour ça que du 1er au 4 décembre, ici à Baltimore, je vous donner un enseignement puissant sur les mystères. Comment posséder l'Amérique. Et je vais vous laver les pieds. J'ai fait ça. J'ai mis le sel dans l'eau. J'ai lavé le pied de tous ceux qui seront là. Il faut que vous ayez l'argent. Je vous donne le mystère. J'ai parlé devant. J'ai pris le billet dollar américain. J'ai commencé à parler sur ça. Chacun va venir toucher. L'argent n'a plus te manquer. C'est la chose que j'ai gardé dans mon cœur. J'ai regardé seulement. Et j'ai fait ça. Voilà. Parce qu'après délivrance, tu manges quoi? Je suis délivré. Mais tu as mangé quoi? Il faut que tu manges. Il faut que tu viennes construire. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ferai les actions. Il y a des gens, vous savez, chacun d'entre nous est appelé à quelque chose. Il y a des gens, ils ont cette tension de consacrer les grands. Donc du 1er, voici l'urgence, je donne l'annonce de capital. Du 1er, 2, 3, 4, c'est un dimanche d'ailleurs, décembre, nous avons un grand programme de taille ici à Baltimore. L'adresse sera là tout à l'heure et l'adresse est là. Vous venez dans la salle. C'est là que le programme commence à partir de 18h et ça prend fin à 21h. On n'a pas trop de temps. Si je donne des enseignements, puis je commence à faire des mystères. Il faut que les choses soient faites sur vos pieds. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, vous devez convoyer à ce programme. Vous devez venir à ce programme. Vous devez être là à ce programme. Du 1er, 2, 3 et 4, vous venez à ce programme. Je vous vois comment posséder. C'est important de vous enseigner tout ça. C'est important. Voilà. Et par la grâce de Dieu, quand vous allez venir à ce programme, je vais vous donner moi-même des huiles, petites huiles, que vous allez aller faire des actions avec ça. Moi, je suis là pour ça. Si tu veux, il faut critiquer ça. Mais c'est ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu as? On dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Jésus dit, s'ils boivent des breuvages, ça ne leur fera pas du mal. Pourquoi toi, en t'empoisonnant, ça te tue? Parce que tu n'as pas appliqué cette parole-là sur ta vie. Parce que la terre, l'homme est constitué de terre. Qu'est-ce que tu as dit à ton corps? C'est ce que tu dis là.
qui devient une semence en toi. Ce que tu lis là, ok, c'est ce qu'on appelle logos. Mais il faut que cette parole là soit sémée en toi. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à les mettre en pratique. C'est pour ça que les gens ont besoin de ton témoignage. Ils veulent voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu es là seulement en train de te promener, danser dans Paris là. Vous fêtez seulement. Polier, vous dansez seulement. Mars, Zaouli, vous envoyez vos esprits, les esprits de forêt là dans Paris. Et tu es étonné que tu as une maladie bizarre, tu n'as rien pendu parisien moisi. Et allez, vous pouvez passer tout votre temps en train de danser. On cherche l'argent. Allez construire, préparer l'avenir des enfants. Vous habillez en Western ici là. Ce qui me plaît chez les Américains là. Vous les voyez, ils sont bizarres. Tu te demandes l'immigrant, quand il va dans la boutique, là, s'il voit clair, même, choisis bien. Mais regarde sa voiture, tu restes tranquille. Il y a eu des voitures, je reste tranquille. Des enfants, eux, ils travaillent. Et c'est 24 heures sur 24. Ce principe-là, c'est de Dieu. Quand une nation travaille, elle prospère. Amen. Elle prospère, c'est tout. Donc, c'est pour vous dire, il y a beaucoup de choses qu'on doit vous montrer. On garde ça, on regarde. Hein. C'est des grandes connaissances qu'on a, qu'on regarde. L'argent ne doit pas te manquer. Amen. Donc, vous avez écouté ce que j'ai dit. Ne manquez pas à ce programme. Ce programme-là, du premier jusqu'au 4 ici. Donne-moi mon déjeuner et manger. J'ai laissé recoucher là un peu. Envoie moi manger et puis ça me fait du bien. Voilà, donc voici le prophète Krakraso. On me traite très bien ici. Hein. Voilà, je suis en limousine seulement. Il faut qu'on vous aide dans les connaissances. Il faut qu'on vous aide dans les choses. Parce que les choses, la nature, là, Dieu ne les a pas créées comme ça. Ça a un sens. Voilà, ça a un sens. Donc quand tu ne connais pas là, tu as des problèmes. Ok, Aminata, Janet, merci. Atlanta, ouais, que Dieu bénisse. C'est vrai, j'étais vraiment béni. Atlanta, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu bénisse les gens d'Atlanta. Maman Douba, mon fils, que Dieu te bénisse. Le gars de New York. Je crois, Jean-Martin, Mathurin, Yalé. Ouais, que Dieu bénisse vous qui suivez la vidéo. Recevez la grâce de Dieu, que cette semaine soit une semaine d'abondance pour vous. Une semaine de gloire pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Qu'il vous restaure et qu'il vous bénisse abondamment. Recevez toute la grâce et la bénédiction de notre Sauveur. Hein? De notre Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et qui vous visite. Donc, appliquez les choses. Rentrez dans la grâce, rentrez dans les connaissances, possédez les lieux, possédez les lieux, possédez les lieux, possédez les lieux. Bien-aimé, possède les lieux, on ne vit qu'une seule fois. Il faut marquer ta génération, il faut manquer ta génération, il faut que tu sois riche, il faut que Dieu te donne la richesse et surtout la santé. Parce que la santé et puis la richesse vient, que Dieu te donne la santé et te donne la possibilité d'être en contact, d'avoir de l'argent. Oui, parce que c'est important de connaître les choses. Quand vous donne des conseils, quand vous donne le réma, les gens ils prient pour vous seulement, mais toi tu as bien de faire quelque chose. C'est pour ça que les gens quand ils veulent posséder, vous voyez dans les quartiers, quand ils veulent posséder, ils envoient les canaris sur les différents. Vous voyez les sacrifices dans les différents quartiers en Afrique. Là. C'est pour ça. Donc, que Dieu bénisse chaque homme de Dieu à sa grâce. Tu peux ne pas aimer le prophète Krakraso. Moi, je connais mon appel. Je sais que Dieu m'a appelé. Tu t'y parles, je suis prospère. Maintenant, même sans limousine, on me met dans limousine. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Voilà. C'est cela que moi, je crois à mon appel. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je crois à mon appel. Dieu est toujours. Parce que oui, je crois à mon appel. Donc, ne jouez pas avec cette action. Ok, viens manger ou bien? Hein? Viens manger ou bien? Il est midi. Oui, mais. Il a mené ici, il est là-bas, 18h. Il a quelle heure? 18h. 17h. Aux Abidjan, il est 17h31. Ah, il est 17h. Non, c'est maintenant, il est midi chez nous ici. 31 ici, on veut manger. Voici ceux qui ont initié la limousine. D'ailleurs, le concept de la limousine. Moi-même, là, j'étais là, à Atlanta, là. Je suis fatigué. Ouais, limousine. Mon portable est déchargé. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis. Non, vous êtes trop terrible. Donc voici les conseils du prophète Krakraso. Hein? Je suis votre père spirituel. Je vous donne des conseils. Possédez les lieux, s'il vous plaît. Possédez les lieux. Ce que tu dis là, c'est ce que tu sèmes. Or, l'homme de la Bible dit,
Le Seigneur sema la parole. Dans Marc 4, le verset 13, quoi. C'est ce que tu sèmes, là, tu récoltes. Quand tu es venu en Europe, là, l'Europe est faite pour le système européen. Voilà, c'est ça, on dit le système. C'est ça, mais quand tu veux faire mariage même à une femme noire en Europe, on dit mariage blanc. C'est ce qu'on te dit, hein. Le système, on dit mariage, tu vois que la fille est noire, hein, mais on dit mariage blanc. Ça veut dire que tu n'es pas, c'est pas fait pour un système de noir. Ah, merci, bon appétit. J'ai pas encore commencé, j'ai faim. Ils vont me donner à manger tout à l'heure. Je vais me réveiller. Voilà, donc le système blanc. Donc ça veut dire que toi, tu dois faire une action pour posséder ça. Quand tu viens sur le territoire américain, tu viens sur le territoire européen, c'est un continent, un autre continent. Le continent est là. Et toi, tu n'es pas un autre continent. Quand tu viens là, sur le continent là, qu'est-ce que tu as fait sur le continent pour que le continent te reconnaisse comme un fils? Parce que toi, tu es africain. Tu es né à Divo, les trucs bizarres. Tu as envoyé ça là-bas. On te regarde, on voit Divo sur toi. On a permis de donner le papier. Parce que c'est spirituel. Tu te lèves matin, il faut commencer à parler. Quand tu lis la parole de Dieu dans Deutéronome 32, le verset 1 à 2, le verset 1, vous allez comprendre. Cieux, écoute. Ouais, le ciel est fait pour écouter nos prières, mais la terre est faite pour enregistrer ce qu'on dit. C'est ça le mystère. Là, le ciel a une oreille de Dieu là-bas, mais la terre enregistre tes paroles. Tu as dit quoi à la terre? Prends 9 jours à partir de demain. Ou même si tu veux qu'on commence, rien n'est tard. Tu as fait peut-être 20 ans, je m'en fous. Parce que tu n'es pas encore reconnu. Tu peux encore rentrer dans l'état civil, spirituel des États-Unis, de l'Europe, en position, une action. C'est que à partir de 5 heures, pendant ne néglige pas, à la même heure, les 9 heures, commence à faire l'action. Il faut commencer à parler. Pour dire, je suis venu ici aux États-Unis, je suis venu en Europe, l'Europe doit me connaître. Pour commencer à parler à la terre, parce que la terre a des oreilles. C'est qu'on sème la terre, c'est ce qu'on mange. Qu'on sème le maïs, c'est qu'on mange. C'est qu'on sème, là, qu'on récolte. Parce que la terre a des oreilles. Quand tu marches, c'est ce qui a été dit de la terre, là, c'est ce qui agit. Les portes doivent s'ouvrir. Parce que la terre a des oreilles. Pendant 9 jours, tu prends la terre ferme, laisse la terre où il y a les carreaux, descend. La terre ferme, c'est-à-dire la terre même, la terre qu'on appelle la terre à l'état naturel. En neuf, tu Jésus commence à parler. Tu mets ta main sur la terre, parle. Tu dis tout ton nom. Jésus, j'ai quitté mon continent pour être ici. C'est vrai, je dois avoir des papiers. Je dois bénéficier du même droit que les gens de ce continent. Comme ça, la terre, pendant 9 jours. Le chiffre 9, c'est 9, un chiffre qui est très important. Parce que quand un enfant fait 9 mois dans le ventre, après, il sort. Donc le chiffre 9, c'est le chiffre de la renaissance. Donc il faut commencer à le faire pendant 9 jours. Et puis si c'est l'euro, il faut commencer à parler à l'euro. Parce que ceux qui fabriquent l'argent, là, ce ne sont pas les imams, hein, ni les pasteurs. Vous ne savez pas comment, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent sur l'argent quand ils fabriquent. Ça, c'est une révélation aujourd'hui qu'ils te donnent. C'est pour ça que la plupart des banques que vous voyez là, c'est ça les banques des francs-maçons. C'est maintenant qu'on a compris, on dit, ah, banque chrétienne, où est banque salah islamique. C'est maintenant qu'on a compris. Or, l'argent que vous voyez là, c'est un pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Leur système là, qu'on reçoive, c'est vrai, ça circule, mais ça retourne chez eux. C'est comme ça, ça fait. Ça sort, mais ça retourne chez eux. Ça sort, ça retourne chez eux. Ça doit rester chez toi aussi. Parce que ça dépendra de ce que tu auras fait. Il faut commencer à parler sur l'euro. On va commencer à parler sur le dollar. Voilà, c'est ce que tu dis qui reste. Voilà. Tu peux être riche. Dieu s'en fout si tu es sorti d'une famille pauvre. C'est ce que tu fais là qui t'attire la grâce et la richesse. Tu as fait quoi pour qu'il y ait une richesse? Tu n'as rien fait. On a vu qu'Abraham a donné un sacrifice d'Isaac. Il a été riche. L'alliance, c'est qu'on positionne, c'est ce qui nous envoie l'argent. Tu as fait quoi? Il faut parler à Sefa. C'est pas même la même enseignante. Vous parlez à CFA. C'est pas encore d'avoir l'argent. Faut pas CFA reste. Faut commencer à parler. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est même ensemble. C'est la même chose. Parlez au CFA, puisque ça reste pas. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Hein? C'est pareil. Parce que quand tu es en Côte d'Ivoire, tu restes sur des familles. Cela dépend de ta lignée. Il y a des familles, il y a des gens qui sont dans la lignée des esclaves. Il y a des gens qui sont dans la lignée où ils ne doivent pas être riches. Il faut commencer à parler sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il faut que tu bénéficies des richesses de la Côte d'Ivoire. Il faut commencer à parler. Je vous disais, oui, mais la même chose pour ceux qui sont en France et en Suisse, c'est pareil. C'est pareil. Commencez à parler à la terre. C'est biblique. C'est pour ça que quand Abraham partait quelque part, il a bâti un hôtel.
Il a bâti un hôtel à l'Éternel. C'est les lieux où Dieu a dit, voici l'endroit. Il a bâti un hôtel là. Il a positionné une nation. C'est pour ça que sa descendant est béni là. Quand il y a une situation, problème en Égypte, ils sont repartis à Canaan. Vous comprenez? Parce que la terre de Canaan était déjà consacrée au peuple d'Israël. Les gens sont en train de parler, les Palestiniens, ça appartient à Israël. Parce que la terre était consacrée à ça, à Israël. Il faut commencer à parler à la terre de la Côte d'Ivoire. Commence à parler à la terre de la Suisse. Commence à parler à la terre de là où tu es. Pour que cette terre-là te soit favorable. Te soit favorable. Parce que je vous ai dit, Deutéronome 32, le verset 1 nous dit, « Cieux, écoute, prête l'oreille, cieux. » Dieu l'écoute. Quand vous lisez dans Isaïe 59, on dit, « La main de Dieu, l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop courte, nous t'en trop pour entendre. » Donc, quand vous parlez, il faut que la terre vous donne. Ce que vous avez dit sur la terre, là, parler sur la terre, là, c'est ce qui vous envoie la grâce. Je dis un grand coucou à mon papa, Mia Lyon. Je t'ai pas oublié. Tu es un vieux, tu es un grand lion, le vieux lion. Tu resteras le lion. Voilà, tu resteras le lion. Quel que soit le truc, tu resteras le lion. Tu es l'un des propulseurs des grands choses concernant l'évangile en Côte d'Ivoire. Un lion demeure un lion. Bishop Lyon, que Dieu te bénisse. Quel que soit ce que les gens disent de toi, le Seigneur te bénira. Il te lèvera davantage. Voilà, donc voici un peu ça. Que la grâce de Dieu abonde. Donc, écoutez, ce qu'on dit là, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc, il faut commencer à parler. Si tu es en Suisse, si tu es en Côte d'Ivoire, ce que tu diras, les paroles prononcées, c'est ce qui va produire. Toi, tu vas en Europe, tu deviens pauvre. Tout est reçu pas. Quand tu mets, t'engages, au moment où les gens. Mais c'est parce que la parole dit, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. On dit cieux. Toi, tu pries seulement. Toi, tu parles, tu pries seulement. Ok, c'est bon. Mais on dit cieux, écoute. Prête l'oreille. Mais terre enregistre mes paroles. Enregistre. C'est vrai, le ciel a écouté ta prière. Mais est-ce que la terre enregistre ce que tu as dit? Or, ceci, cette terre-là, la terre des États-Unis a été faite pour les Américains. Même c'est même chose en Guinée. C'est pareil. C'est pour ça que vous allez voir le pape, quand il rentre quelque part, il baisse la terre, il touche la terre d'abord avant de commencer. Vous commencez comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, vous avez des problèmes, vous, c'est là où vous commencez à prier. Les choses ne doivent pas être dures. C'est toi qui fais que c'est dur. C'est pareil. Pendant 9 jours, commencez une action prophétique et ça va vous porter un sourire. Voilà, un sourire. Pendant 9 jours, commencez une action prophétique. Commencez à parler à la terre. Commencez à parler à la terre. Commencez à parler à la terre pendant 9 jours. Oh, le chiffre 9, vous connaissez bien. C'est le chiffre de la naissance. Les choses doivent aller mieux. Peu importe si tu as fait 20 ans, 30 ans déjà aux États-Unis, 40 ans, je m'en fous de tout ça. Pourvu que tu comprennes que tu commences. Dès que tu commences les choses, même si c'est en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, il faut commencer. À partir de demain et après demain, commencez déjà à faire les choses. Mais ne tardez pas. Faites ça avant d'entrer la nouvelle année. C'est important pour que les choses se stabilisent à votre niveau. Quand vous allez faire les choses, vont se stabiliser. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est né, l'ont amené dans le temple pour le consacrer. Quand Jésus-Christ est né, quand Jésus a commencé, il a commencé.